Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est reparti pour du Lesara, on est toujours en live et le chat a voté pour qu'on retente les yaks. On veut réessayer ce qui a été raté comme dit Squash. Donc j'ai regardé les autres défis, ce défi là c'est 1200 de population, ce défi là c'est 1200 d'argent. Et là il faut qu'on fasse du parfum pour 420 artisans. Mais nous on va partir faire du yak. Donc on est reparti pour le yak. Et on va exploiter et surexploiter la pause, hein, clairement, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je pense que notre départ était pas mal. Il faut qu'on essaye d'exploiter au maximum le bain. Donc on va commencer par ça. Il nous faut un bain. Donc on enlèvera la pause vraiment que quand on aura besoin de sous. Ensuite, il nous faut un marché. Donc le bain, il envoie jusqu'ici. Donc l'idéal, ce sera de faire au moins une tranche de maison le long du bain. Hop, hop, voilà. Une autre tranche de maison, je pense, à côté. Ici, une route. Et donc ici, le marché. Route. Pour répandre le bain le plus loin possible, hein. Et donc maison, maison. Maison, 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 maison. Là, il nous faut de la route. Pour aller derrière le bain, ça va aider le bain à se répandre pendant qu'on y est. Ici, on va faire une route, mais on va faire un petit hôtel. Avec la route derrière. La route jusqu'ici. Et comme ça, on se garde une petite place pour mettre des petits trucs à la con, genre des ornements et compagnie. Alors ici, on est comment en termes de maison? Ouais, c'est bon, on peut mettre de la maison, on va mettre un petit peu d'artisan derrière. On va faire une route pour pouvoir récupérer de la place, on va faire des petits moines. Là c'est parfait, on va pouvoir mettre un truc comme ça, une route potentiellement pour aller chercher des trucs si on a envie. Là il n'y a pas de route, on va faire ce qu'il faut. Toc. Pour l'instant on n'a pas notre niveau de recherche, donc on n'a pas ce qu'il faut. J'aimerais bien mettre le machin au milieu là, ça serait vraiment pas mal si on pouvait le mettre au milieu, du coup on va virer cette route je pense. On va le mettre là, parce qu'il enverra vraiment loin, comme ça, jusque là-bas. On va le désactiver, parce que pour le moment... c'est pas une académie que je voulais faire, si? C'est une académie que je voulais faire? Si, c'est ça, c'est une académie pour le niveau de recherche 1, c'est ça. Il nous faut au moins le niveau de recherche 1. Et donc pour ça, il nous faut une soixantaine de moines, donc on en a que 16, donc c'est largement pas assez. Ici, on va faire une route de nouveau, et je pense qu'on peut faire encore de la maison largement, ouais. On va faire un peu de moine. Encore une route. Ici, est-ce qu'on a 1, 2, 4 cases? Si je fais une route comme ça, on peut mettre encore de la maison. On va mettre du comme ça, on va mettre un comme ça, et là normalement on va jusqu'au bout. Ok, parfait, pile poil. C'est nickel, et on a même la place pour mettre genre un petit hôtel là. Là, il n'y a pas d'hôtel ici, ouais, c'est pas hyper grave. On va pouvoir exploiter du coup. Ici, une route, ça va nous étendre la portée, voilà, jusque là, c'est parfait. Donc on commence par structurer notre village. Et après, on fera de la... On fera ce qu'il faut en termes de nourriture et compagnie. Pour l'instant, on fait vraiment notre village de base. Il va nous falloir un peu d'artisans, pas mal de main-d'œuvre comme ça. On va faire une route par ici. Et là, on doit arriver à la limite du bain, là. Hein. Ouais, on arrive à la limite du bain. Ah, même eux, ils sont à la limite du marché. Ok, donc on va les bouger. On va les mettre là.
Et là, voilà, là, ce sera l'occasion de mettre un magasin d'accessoires ou un truc du style. Il nous faut des sous. Si je le mets là, lui, on est pas mal, hein, on couvre vraiment loin. On va jusque là-bas. Voilà, on a plus que 300 dessous, mais on n'est pas encore prêt à lancer. On a 32 moines, il faudrait qu'on améliore la maison des moines, et pour améliorer la maison des moines, il nous faudrait un peu de nourriture. Si on leur envoie des... Alors, il leur faut forcément de l'illumination, par contre. Ou de l'éducation. Mais en vrai... Du coup, là, ils auraient ce qu'il faut, donc il leur faut de la nourriture. Ok, on va désactiver ça. Quand on l'activera, ça sera bon. Par contre, du coup... Alors, eux, ils profitent aussi de ça. Ouais, ils profitent de ça. Ok, donc, très bien. Si on améliore les deux maisons de moines qui sont là, ça devrait suffire, je pense. Donc ensuite, on aura théoriquement plus besoin de moines tout de suite. Le bain, il va jusqu'ici, hein, donc on pourrait mettre de la maison, là, hein, si on voulait, ici aussi, moyennant une petite route, là. Si je fais ça, je perds de l'argent. Je perds pas d'argent si je fais ça. On va mettre de la maison. On va mettre une maison de moine, une maison de moine. Et après, du pécor. On couvre. On va jusqu'ici. Ok, très bien. Si je mets de la route par là. On va jusque là, ok. Donc là, on pourra mettre de la maison. Ici, on peut plus mettre de maison. Donc ici, on va mettre de l'œuf. Là, par contre, on peut encore mettre une maison ici. C'est couvert par ça. C'est pas couvert par ça. Donc on va mettre une maison de type comme ça. Et donc là, on va mettre de l'œuf, du coup. Donc pour l'instant, on va les mettre là. Pour qu'ils... Pour qu'ils soient à portée du marché, mais on les bougera à terme. C'est pas ça. Ok, là, on a couvert tout le monde. Parfait, on fait un peu de sous. Toi, du coup, tu couvres pas là-bas, donc il faudrait qu'on aille chercher les dons ici, mais on a plus les sous, il nous reste 113. Il nous faudrait encore un petit peu d'œufs. Ah oui, parce qu'on a amélioré les maisons, donc oui. D'œufs. Allons-y pour un peu plus d'œufs. Ah, on n'est pas à portée, là, merde. Est-ce que je peux le mettre quelque part à portée? Non, pas assez. Là, je pense que ça doit le faire. Voilà, parfait. Et salut Mitouf, bienvenue sur le live. Ah, j'ai pas vu, il y a du commentaire au-dessus. Tac, 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 ce que je disais. De toute façon, ce défi, bien prendre en compte les remarques avertues de beaucoup de viewers. Ouais, il faut Eyaka, exactement. Très 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 bonne, très bon conseil, Squash, merci. Et oui, MeToo, alors le jeu est franchement très bien, moi j'adore. C'est vraiment un jeu, comme je les aime, d'optimisation de schéma, d'optimisation de chaîne de production et tout, donc je kiffe. Je kiffe vraiment. Donc ça, je ne sais pas quel est ton style de jeu, mais si tu aimes ce style de jeu, c'est carrément worth it. Sachant que là, il y a un petit 20% de réduction à la sortie. Alors là, si j'améliore ça, du coup, là, on a 20 moines, mais... Ah, ça suffit pas, il nous faudrait plus de maisons de moines. Il nous faudrait plus de maisons de moines. On va accepter la pénalité de main-d'œuvre. Le temps de monter au niveau de recherche 1. Et une fois qu'on aura le niveau de recherche 1, on pourra s'éloigner avec nos bâtiments de production. Voilà. Et là, du coup, on va être un peu... On va pouvoir faire d'autres maisons de moines dans le coin, là. Couvert par les bains jusqu'ici. Très bien, donc ça, on va le déplacer. On va faire comme la dernière fois, on va longer. Hop, 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 hop. Ici, là. Et on ira probablement chercher un pont là. Et du coup, notre production d'œufs, on va la mettre là-bas. Tac, ici, ici,
Et du coup, ici, là, on a la place de mettre un bâtiment, là. Ouais, non, pas la place, c'est ce que je craignais. Bien là, toi, du coup, on va te mettre là, toi. Et du coup, pour la route que je comptais passer ici, ça ne passe pas. Donc, on va le bouger. On va faire notre route. C'est pas hyper oufissime, ce schéma, là. Toi, tu rentres pas là, tu rentres pas là. Du coup, tu rentres là, c'est déjà ça. Et il y avait aussi ce truc à œuf. On peut en foutre un là. Ok. Vous tous, envoyez là, envoyez là, envoyez là. Ah merde, toi, t'es pas à portée du truc. Pas de souci. On va s'en occuper. Toi t'envoies ici, et toi t'envoies ici, et donc toi du coup il faudra qu'on te décale, qu'on fasse une route comme ça, et toi du coup tu peux envoyer là, ok, et toi du coup t'envoies là-bas. Ok, on est à 200, on a des dons non collectés, il nous faut 54, et il nous manque du moine. On va désactiver ça. Et vous, vous êtes pas content, pourquoi? Il nous faudra du fromage. Qu'est-ce qui fait que vous êtes... Ah oui, ils ont plus d'éducation et on les a montés de niveau. Oui, donc du coup, non, ça marche pas. Bon, ok. C'est pas très grave. On va réactiver, on va faire juste quelques maisons de moines là et là. Ici, on pourrait en faire un là également. C'est parti. Je peux pas, j'ai plus assez de sous. On n'a pas assez d'œufs, diantre. Ça coûte combien un truc d'œuf? Trop cher. Ça coûte 20, mais vu qu'on a pile 20, on peut pas en faire un. Ok, c'est parti. C'est bon, on a assez d'œufs, on a assez de moines. Maintenant, on gagne un max de thunes. On va pouvoir gagner 150 et récupérer un peu plus de sous. Et une fois qu'on aura un peu plus de sous, on va se lancer dans la production niac. Alors, on attend d'avoir 150. Voilà, 150, c'est parti. On va le mettre... ici, ce serait parfait. Ok. Là, de toute façon, on peut pas construire de maison. Donc, autant optimiser en faisant un truc comme ça. Hop, et du coup notre truc de récolte, alors on a de nouveau plus de sous, voilà, notre truc de récolte, on va le mettre. On voit les endroits où ça se recouvre, hein. C'est là où c'est en violet. On n'arrive pas à les ramasser, ceux qui sont là, mais si on fait un bout de route ici, ça va le faire. Hein. Et là on a plus que 24 de dongons collectés, donc on va pouvoir faire un petit peu de tunasse. Commencer à grimper. Et là, on va pouvoir commencer à faire du yak. Donc, les champs d'orge. Hop, hop. On va laisser de la place, comme tout à l'heure, pour passer la route. Important. Il va nous falloir notre poste, notre comptoir qui va être vraiment central. Ce qui veut dire qu'on peut étendre un petit peu plus la route. Et il va nous falloir un petit séchoir à paille. Donc un là pour commencer. Ici j'ai pas la place, j'ai pas passé mon truc exactement là où j'aurais dû. On va le virer. On va plutôt le faire arriver là, voilà, et là du coup normalement, on a la place pour en mettre un, bah même pas en fait. Toi tu peux reculer d'une case ou pas? Tu peux reculer d'une case ou pas? Ok, parfait. On va y arriver, on va y arriver. Faut optimiser vraiment au poil de cul, ça nous coûte un peu de sous, mais c'est pas trop un problème les sous. Voilà. Hop. Toi là, toi là, il nous en faudra un autre, mais on va commencer à les faire au-dessus. On veut des sous, on enlève la pause. Donc pour l'instant, on a un yak qui vient de l'extérieur. Il coûte un petit peu cher, mais c'est pas non plus monstrueux.
On va faire un comptoir. Vous vous envoyez là. Et du coup, on va faire de l'élevage d'oyak. Ici, c'était pas mal, on avait de la place. Donc on va vouloir un bâtiment comme ça, avec de la route autour. On a plus de sous. De la route, voilà. Alors, on peut faire des routes améliorées. Ah, qui permettent d'augmenter la portée des bâtiments. Tiens, c'est pas mal ça. Genre là, pourrait améliorer la portée de mon bain. Oh, très très bon ça, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait cette possibilité. Excellent. Et bah on va petit à petit améliorer ça du coup. Alors ça coûte de l'entretien du coup. Mais... Donc ici, on va vouloir faire des petits élevages d'oyak. Combien? 50 balles. Ok. On va en faire 3 puisque déjà on en a 3 pour le moment. Voilà, il va nous falloir une route qui relie le reste du monde. Ouais, alors c'est peut-être pas utile de faire une route comme ça, tant pis, on va se remettre en comme ça. Bon, c'est pas très grave, ça va augmenter la portée de ce truc-là, c'est pas non plus si mal. Donc toi, du coup, tu nous envoies ici, hop, 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 voilà. Alors, il va nous falloir plus d'artisans. Plus d'artisans, si on faisait un petit peu de route par ici. Est-ce que ça augmente la portée de ça? Pas vraiment, il faut qu'on fasse bien sûr... jusqu'ici et que ça l'atteigne probablement. Ah, il est... ça suffit pas, ça augmente sa portée mais pas tant non plus. Bon, c'est pas très grave, on a augmenté par contre ça ici, on va jusque là. Donc les artisans, si on veut améliorer les artisans, il nous faudra du fromage. Bah, maintenant qu'on a du yak, on va pouvoir commencer à faire du fromage. Donc, le fromage, on pourrait le faire par exemple par ici. Pour le fromage, il nous faut des étables à yak. L'entretien des routes, ça coûte cher par contre. Hein. Purée. Plus la pénalité de main-d'œuvre manquante là. On va désactiver ça pour gagner un peu plus de sous, voilà. Et salut SwadX51, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le live. Alors, notre production de fromage. On va pouvoir produire du lait, donc c'est parti. On va pouvoir produire du lait avec ça. On va en faire deux, et il va nous falloir... trois fromageries qui du coup vont devoir envoyer leur lait là-bas, mais ce sera trop loin, donc on va faire les fromageries là. Non, c'est pas ouf ça, parce que du coup je peux pas mettre de trucs comme cela, donc on va les faire ici pour le moment. Une population totale de 300 yaks et t'en as que 12. On doit attendre 300 yaks dans la jauge de temps, ouais, tout à fait, Chobiti, exactement. Alors non, du coup ça marche pas, il nous faut un truc comme ça, voilà, on va envoyer le fromage ici, et toi t'envoies ça tout là-bas. Ah mais non, mais je me suis planté, hop, on envoie le lait là-dedans. Arrêtez d'envoyer de la laine dans ce truc, voilà, envoyer du lait, et après on envoie le lait ici. Donc, on a 0 de surplus, 3 x 6, 18, c'est bon. Il nous faut 80 balles. Pour pouvoir construire ça. Et l'envoyer là. Et voilà. Et là, on peut se faire plaisir. On va pouvoir mettre à jour, à droite, à gauche. Faire plein de pop. On a de nouveau plus assez de fromage. On va pouvoir refaire une petite fromagerie. Faut des sous pour ça. Les yaks, ça va venir. Dès qu'on aura amélioré ces maisons-là, là. Alors le problème, c'est que oui, il leur faudrait de l'ornement à eux. On peut mettre de l'ornement normalement. Mais... j'ai pas mis des statues de yaks, des taupières de yaks. Voilà, petite taupière de yaks, excellent. On va activer celui-là, voir combien il nous en faut. 4.
Là, on peut mettre un petit ornement. Par ici. Là, on peut mettre un petit ornement comme ça. Parfait. Un petit ici également. On appuie les sous. On appuie les sous. On met un petit arme du coup. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas le bain. Il n'y a pas le bain. Et là, il nous manque... Bah, il nous manque quand même des ustensiles. Tu mets tellement la pose en plein soleil dans le jeu qu'on te surnomme le Lazara Shobiti. Je sais pas quoi te dire, quoi. Je l'ai pas et je crois pas que Shobiti non plus. Elle a l'air dubitative comme moi, donc on l'a pas là. Et salut Quentin, bienvenue sur le live. Tu viens de voir une review du jeu, quelle surprise de voir que ta chaîne découverte le présente. Bah oui, j'ai fait un petit live déjà tout à l'heure à midi. Mais bah forcément midi c'est un peu moins facile pour les gens de venir, donc j'en ai refait un là du coup. Hop, c'est parti, on envoie ça là, il va nous falloir une fromagerie de plus. Ah, c'est une blague que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, alors là effectivement. C'est pas le public de la chaîne, hein, comme dit Shobiti. Désolé. Soleil, lézard, lézara. Ah ouais. Ah oui, t'y vas fort là. Ok, on a assez de fromage, hein, on a plus de sous, on peut améliorer cette maison, on va prendre. Donc là on a un max d'habitants des plaines, il nous faut des artisans. Est-ce qu'on a moyen de construire des maisons? On peut construire plus de maisons là. Hop. Le jeu t'a pas convaincu. Bah écoute, moi il m'a carrément convaincu, je dois l'avouer. Ici on peut aller chercher un petit peu de maison d'artisan. Non, là c'est trop loin du marché, c'est ce que je craignais. Mais par contre on devrait pouvoir mettre ici. Alors là l'idéal ce serait qu'on fasse la route comme ça. Mais je t'aime quand même, Squash. Et là le marché il nous couvre et le pain nous couvre également, parfait. Donc on peut faire une autre maison. Et la montée de niveau. Bah Squash, je pense que c'est probablement le plus vieux qu'on a sur la chaîne. Hein. Le plus vieux viewer de la chaîne. Mais c'est pas une tare. Hein. Clairement pas. Donc là on peut activer ça et du coup on a 26 artisans, donc on va pouvoir se faire encore plein d'otiac. Donc il nous faut encore du champ d'orge et du séchoir. C'est parti. Alors là l'idéal ce serait qu'on fasse une route qui aille par là-bas quand même. C'est pas la même carte que tout à l'heure? Non là c'est un défi. On est sur un défi, bah déjà vu, il faut qu'on ait 300 yaks. Oui, j'avais vu que t'avais 300 yaks mais... Ah c'est dommage, on n'est pas bien calé pour faire... on va pas pouvoir se mettre là. Okay. Est-ce que je peux déplacer ces champs d'une case? Non, ils sont au maximum. Ce qui veut dire que la route arrive forcément là. Du coup on va plutôt mettre ça de l'autre côté. Hop, vous ici. Bah, qu'est-ce que tu fais? Non! Merde! Le musclic. Notre argent! Hop, toi et toi là, la route ici, voilà. Hop, 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 si on est suffisamment proche, excellent. On va faire pareil là. Et là, bah si, je lui fais une route là. Là du coup, on pourra mettre comme ça, avec une route ici. Bon, c'est pas... ça me plaît qu'assez moyennement, mais bon. On va dire que c'est pas très grave. Là, on va essayer pareil d'optimiser. Normalement, on peut faire comme ça, mais on n'a plus les sous. Voilà, là, on envoie là, 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 toi t'envoies là, toi t'envoies là, toi t'envoies ici et ici. Et donc là, on va pouvoir se faire... Alors si tu parles de squash en disant le plus délicat, je suis pas sûr que ce soit exactement le terme pour le coup. Je pense qu'il m'en voudra même pas de dire ça.
Il faut combien pour ça? Ça coûte 50 balles. Ok. Il faudrait que notre route aille par ici. Du coup, on peut en mettre un là. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce grand commentaire? C'est Quentin qui nous écrit. Alors attends, qu'est-ce que t'as dit? Par exemple, les choses qui m'ont pas convaincu. Le redesign de plusieurs choix de gameplay qui sont souvent présents dans la gestion, si ça part sur de la couleur, quand... c'est juste une question de ressources de terres arables, les catastrophes naturelles, les événements suivent le fait qu'on soit en montagne, au Tibet, c'est tout. Bah, après, le jeu réinvente rien de nouveau. Hein. C'est juste qu'il y a des yaks. Mais comme je le disais, moi, il y a un jeu que j'adore de gestion qui était Earthland. Qui est une vieille série que j'avais présentée sur la chaîne il y a très longtemps. Une des premières séries de la chaîne, je pense. Aux 50 balles. Et j'avais jamais retrouvé de jeu de ce genre qui amenait vraiment une difficulté dans la gestion. Enfin, vraiment, l'obligation d'optimiser ses patterns, d'optimiser ses chaînes de production, etc. C'était toujours des jeux, bah, justement, trop classiques, sans difficulté. Et là, on a vraiment, sur ce jeu, il y a vraiment une obligation de faire les trucs au poil de cul, de réfléchir avec la contrainte d'avoir les terrains très limités, d'avoir les bâtiments qui ne vont que dans un sens parce que bah, t'es en pente, donc faut que tu fasses avec. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper hyper agréable et que j'avais jamais réussi à retrouver de manière intéressante et efficace. Et tu vois, Satisfactory, non, Satisfactory, c'est du FPS, enfin... Pas shooter, mais t'es à la première personne, tu dois gérer tes mecs comme... Enfin, tes personnages, tes constructions et tout. Même du Factorio, c'est pas... Enfin, c'est pas du tout le même style, quoi. Bon, on a réussi à atteindre 100 yaks en un tiers du temps, donc techniquement, on n'est pas trop mal. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir se caler? Ça, c'est la question. Je pense que ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on écarte nos champs. Alors après, est-ce que ça va rentrer? Je suis pas sûr que ce champ-là, il rentre. Si, il rentre, parfait. Parce que là, du coup, si je veux faire mes séchoirs, il faut qu'ils soient assez proches. Claquer du séchoir. Alors là, du coup, même, c'est pas ouf, tout ça. Il faudrait qu'on fasse notre route ici. On a plus de sous. Voilà. Donc là, on fait notre route, et du coup, on se colle dessus. Hop. 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 Donc du coup, on va faire une route là, pour nos séchoirs. Alors, tac tac tac, il s'est passé plein de trucs. Alors, ça a été commenté ton... Enfin, ça a été modéré ton commentaire, Squash, désolé. Je sais pas ce que tu voulais te dire. Je suis d'accord, c'est pas grave si on connaît pas les références, hein, l'objectif c'est d'éduquer. Tu dis pas que le jeu est mauvais, tu dis que j'ai un immense catalogue de jeux de gestion, mais un jeu de stratégie. Et bah tu vois, moi justement, j'ai jamais réussi à trouver un jeu de gestion qui me donnait autant de satisfaction qu'un Earthland. Alors pourquoi je peux pas le mettre? Parce que j'ai pas les sous. Et là, dommage, on pourra pas en mettre ici. Est-ce qu'on pourrait gagner un champ? Pas vraiment, malheureusement. Donc du coup, toi tu vas là. Bah, je pourrais gagner un champ, non, parce que de toute façon, ça prend 3 cases, et le champ, il prend 3 cases. Donc si un champ rentre pas, ça rentrera pas. Enfin, si je décale ça à gauche, ça libérera une case, mais là, il n'y aura plus de place pour la route. J'ai pas de place, là. Et là? Bah, bien sûr que non. Il est sur le bord, là. Ah si, je peux le décaler d'une case. Ah oui, bah, écoute. Ouais, alors, le problème, c'est est-ce que je vais pouvoir caler ma route, du coup? C'est pas sûr. En termes de route... Non, parce que je vais devoir faire un truc. Non, ça passe pas.
Ça passe pas. Comment j'écris ce jeu quoi? Earthland? Alors attends, je vais t'envoyer direct un lien pour vers la playlist si tu veux. Toc. Hop. Voilà. Si tu veux jeter un œil. C'est un jeu qui est assez vieux pour le coup. Hein. Est-ce que j'ai moyen? Faudrait que j'enlève cette route pour décaler vers le bas. Mais si je fais ça, ça, les chemins ici vont être trop longs. Non, Civilization, c'est un 4X. Et les 4X, ils me bottent plus. Alors déjà, Civilization, ça fait depuis le 2 ou le 3 que ça m'amuse plus. Que je trouve que c'est... c'est un truc qui n'engage que moi, mais que c'est trop simple, entre guillemets. Dans le sens où... c'est toujours pareil, en fait. Chaque nouvelle version n'apporte rien, pour le coup. Là, je trouve qu'il y a vraiment... il y a vraiment rien qui est apporté. À chaque fois, tu sors des DLC pour refaire le même que celui d'avant. Donc ça m'ennuie. J'ai beaucoup aimé des Endless Legends, des Humankind, par exemple, qui apportent vraiment des nouveaux trucs. Mais je m'éclate plus trop sur les 4X maintenant. C'est vraiment plus trop mon délire. Si, je peux gagner de la place en faisant ça par contre. Cette route là, elle a pas besoin d'être aussi grande. Voilà, ça c'est pas mal. Du coup, vous revenez là pour avoir une route. Pareil là, plus on est proche, mieux c'est. Donc... alors, toi, t'envoies, toi... Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui t'arrive? Le transport non valide, ok, arrête-toi et envoie ici. Ça me dit quelque chose, moi, Pioneers of Patagonia. On est à portée, parfait. Donc là, on envoie là. Là, on va envoyer ici. T'envoies déjà ton foin quelque part. Ah, ça doit être celui-là qu'on s'en est envoyé là. Oui, c'est un peu. Et du coup, ça passe pas. Bon, on a de quoi faire une route ici. Voilà, parfait. Lazaret, Pioneer of Patagonia. Alors, Pioneer of Patagonia, je l'ai jamais... t'aurais pas prononcé le jeu comme ça? Bah, Earthland. Si, hein. Earth comme le cœur et Land comme Land. Alors, j'entends Shubiti qui s'étouffe derrière moi, mais... Non, je suis juste étouffé avec ma bouteille. Pas de rapport. Mais je vous proute, comme dirait l'autre. Je te proute aussi. Ici, on va pouvoir en mettre juste un de plus. Hein. C'est pas ouf. Il y en a peut-être un au-dessus. Non, même pas. Peut-être là. Non, ça passe pas. J'ai assez de sous pour en faire un, là. S'il me dit que non, c'est non. Ok, donc on est un petit peu en déj, du coup. On a beaucoup trop de trucs, donc ça veut dire que, du coup, on va en virer quelques-uns. En échange d'un champ. Hop, hop. Et du coup, il nous manque un champ. Un seul tout petit champ. Un seul champ. Et tu peux pas décaler comme t'as fait à droite à gauche? Pour décaler. Ah non, ça passe plus loin. Ah bah en fait il faut que je reste pas trop loin de ça. Là. Dans l'idéal j'aurais bien mis cela là, mais il faut que je reste proche de ça. Parce que sinon ils pourront pas l'atteindre. Ou alors après faut que je fasse de la route en pierre. Lui je pourrais le mettre ici. Champ à droite, tu peux pas le remonter d'un? Celui-là? Oui. Mais non, toujours pas. Il n'y a toujours pas de case ici. Ah, je crois que je l'ai mis là. Là, je pourrais remonter, mais ça me débloque que dalle. Et ton champ à gauche? Là, je peux me débloquer, mais ça me débloque que dalle. Là, je suis au max. Ouais, je peux pas aller plus loin. Là, je pourrais monter de 2. Alors, je peux peut-être faire ça. Je monte de 2, du coup, eux, je les mets par là. Ah, mais alors, du coup, non, parce que il n'y a pas la place. On va voir, il y a peut-être moyen de moyenner.
Donc il nous faut une route comme ça, une route comme ça. C'est pas hyper optimal. Il faudra que je bouge celui-là. Et là, du coup, il est à portée. Il est à portée. Toi, il faudrait qu'on te mette quelque part. On peut pas mettre par là. Non, il fait 3 cases. Il fait 3 cases et... On pourrait le mettre là, mais j'ai pas de route, du coup. Ou alors, si ce que je peux faire, c'est ça. Et je pense que ça va être trop loin en termes de route. Ah, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Ou alors, on a dit, ils vont jusqu'où? Jusque là, donc lui, je le bouge. Là. Eux, normalement, sont assez proches. Ah, mais du coup, je peux pas mettre de champ, c'est con. Ah, il faut qu'il reste là, lui. Je peux virer cette route. J'en fous un là. Le champ, on peut lui amener de la route de n'importe où à la limite. Je vais décaler. Celui-là, je le décale d'une case. Celui-là, je le décale d'une case. Ça me permet de virer cette route. Alors non, il faut au moins qu'il y ait une route jusqu'ici. Et toi, si je te mets là, est-ce que t'es à portée? Yes. Donc il nous manque juste une petite route là. On peut faire un champ de plus. Ici. Alors, par contre, du coup, il va falloir qu'on réorganise qui envoie où. Donc toi, tu vas envoyer là. Pourquoi trajet de transport non valide? On va virer tous les trucs, tac. Tac, voilà. Vous envoyez nulle part et on en a 3 qui font rien. Ok, parfait. Donc toi t'envoies là, non, ça va être trop loin ça. Arrête d'envoyer là, toi. Toi t'envoies à qui? À celui-là. Arrête d'envoyer à celui-là. Et toi t'envoies à celui-là. Arrête d'envoyer à celui-là. Toi t'envoies à celui-là. Toi t'envoies. Ah, tu peux envoyer que jusque-là. Du coup, ta route ne sert plus à rien. Tac, tac, tac. Toi t'envoies là. Toi t'envoies là. Toi tu vas envoyer là, et donc toi tu peux envoyer là, ok on est pas mal, et toi t'envoies à personne, donc t'envoies là. Donc là on a un surplus de 24. Ok, bon, bah on peut pas faire beaucoup mieux sur cette zone. Avec un surplus de 24. Il en faut 4, on est pas mal déjà. Mais t'as pas plus de yak? Comment ça j'ai pas plus de yak? Bien sûr, j'ai pas fait. C'est tout ça, c'était pour pouvoir fabriquer de la paille, pour pouvoir fabriquer des élevages de yak. C'est le seul objectif hein, de la mission. On va faire des routes par là, et on va pouvoir distribuer. Il nous faut des sous. Et on manque un petit peu d'artisans. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourra mettre une petite maison ici? Voilà. Très bien, on a ce qu'il faut. Maintenant, du yak. Un... Non, pas de sous. Un coasting. Entre un coasting pour Squatch. Oh, désolé, je vous laisse un peu papoter la gestion des langues. C'est un sujet à lui tout seul. Ça nous coûte des sous, tout ça. Il nous faut plus de gens. Ouais, il nous faut plus de gens. Et pour plus avoir plus de gens, il faudrait qu'on fasse du miel. Ça, c'est un truc qu'on peut faire facilement, du miel. Faire la même technique que tout à l'heure. Alors, on va enlever la pause parce qu'il va falloir qu'on accumule de la thune pour faire ça. Du coup, on peut facilement améliorer tout ça, juste en leur donnant du miel. Ça, du coup, normalement, ça passera pas. Il faudrait un mandala, c'est beaucoup trop gros, de l'éducation, mais ils sont trop loin. Alors, est-ce qu'on n'a pas des gens qui pourraient se passer d'éducation? Non, là, l'éducation, ça nous aide quand même. Hein. Eux, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui leur manque par rapport à eux? Ah, ils sont trop loin. Non, c'est pas trop loin du bain. Ah, ils sont trop loin des ornements. Ils ont pas d'ornements. Ok. T'as pire deux,
C'est pas hyper grave. Les maisons d'artisans, on pourra pas les faire passer au-dessus du niveau 2 parce que je veux pas aller chercher d'ustensiles. Et il faut absolument de l'ustensile. Donc c'est pas très grave, on va se contenter du niveau 2. Ça suffira. Il nous en faut un peu plus par contre du coup. On peut aller jusqu'ici avec nos routes. Hop, voilà, on est à 9. Est-ce qu'on n'a pas des gens qui pourraient se passer d'éducation, quoi? Le virage politique. Ah, c'est parce que l'éducation, c'est plus important pour les moines que pour les habitants des plaines. Non, c'est important pour tout le monde, ils peuvent pas se passer d'éducation. Ça leur prend deux cases pour tout le monde, en fait. Ce qui est important de regarder, en fait, c'est que chaque ressource qu'on va produire va soit apporter deux cases, soit apporter une case. Par exemple, ici, si on fait des ustensiles pour les habitants des plaines, ça leur remplit qu'une seule case, qu'un seul besoin. Alors que, bah, je pense que c'est un mauvais exemple parce que je crois que c'est un pour tout le monde. Ouais, c'est un pour tout le monde. Mais si on prend par exemple la nourriture qui va remplir deux cases, la nourriture qui va remplir une case. Là, l'ornement pour eux, ça remplit deux cases, ce qui suffit largement pour remplir leurs besoins en prospérité. Alors que les habitants, les artisans, ils vont avoir besoin de beaucoup plus, ils vont avoir besoin de 5. C'est comme ça qu'on améliore les maisons en fait. Chaque type d'habitant va avoir des cases vides qu'on peut remplir avec n'importe quoi et des cases nécessaires. Ou même si on leur donne plus que ce qu'il faut, bah si on leur donne pas de nourriture, ça les fera pas grandir quoi. Là par exemple, si on leur mettait un petit hôtel à eux aussi, soit de l'ornement, soit de l'hôtel. Parce que c'est deux cases ornement, deux cases hôtel à prière. Donc s'ils avaient l'un ou l'autre, ça suffirait. Je pense que là je peux caser un petit hôtel ici pour aider un peu. Et voilà, bim 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 et bim. Voilà, parfait. Du coup, on n'a plus assez de fromage, mais vu qu'on a fait plein de yak, ça doit pas être trop problématique. Est-ce qu'on a un surplus quelque part? On a un surplus de 3 ici. Donc il suffirait de faire une petite route par là. Et on va pouvoir faire une fromagerie supplémentaire. Il nous faut des sous pour ça. Toi, tu amènes là. Ah putain, c'est trop loin. Ah merde, c'est trop loin. Ça c'est pas cool. Comment on va faire? Tu vas jusqu'où? Jusque là au maximum. Ouais. C'est pas ouf. J'ai ça, mais du coup. Tu peux bouger le taupière à yak. Pour faire quoi? Ça rentre pas, c'est 3 cases. Ouais. Bah il faut ouvrir les yeux, hein, chou petit. Mais moi je suis pas à côté, je vois pas. T'es pas à côté. Si ça coûte de les deux, faut que je leur fasse un hôtel qui me coûte 5 d'entretien pour qu'ils prient. Quand même, ça va. Pas. Hein? Pas un monstre. Comment je vais faire? Il faudrait que je fasse un petit peu de route comme ça, je pense. D'ailleurs. Suffit pas. Ah, ça l'envoie jusqu'ici, mais pas plus loin. Merde. Du coup, si, on peut peut-être se dire... On supprime ça. Et si je le bouge, là, ça rentre ou pas? Ça rentre, ok. Du coup, on est assez proche. Et du coup, on fait du fromage. Donc là, il fonctionne qu'à moitié. Il faudra qu'on aille faire plus de crèmerie si on veut. C'était parti pour faire du miel. Mais au moins, on a accumulé un peu de sous, on va pouvoir partir chercher le miel. Alors, du miel. Sachant que maintenant, c'est plus vraiment un problème, on a réussi du coup, rien qu'avec un hôtel à compenser. Est-ce qu'on a encore du surplus en or? En or, j'en ai encore 16 de surplus. Ça va être juste, hein. On en a 132. Là, ça va bouffer. Et là, on perd de la thune. Là. Parce qu'il nous manque trop de gens. Et on a que 32, donc investir, ça va être compliqué. Donc on va devoir désactiver. Mais on arrive à pousser jusqu'à 180 yak. Attends, c'est tellement que dalle. Il nous en manque la moitié. Et on a déjà exploité au maximum notre zone, quoi. Il va falloir qu'on aille exploiter avec des zones moins productives. Bah, ou alors, ce que je vais peut-être faire, du coup, c'est que je vais virer tous les séchoirs, là.
Et on va les envoyer à côté, on va essayer d'optimiser au maximum en champ ici. Et bon, pour ça, il va nous falloir des sous. Donc déjà, on va se faire gagner de l'argent. On enlève ça, on gagne 200, on va aller chercher du miel. Combien? 50, 30 le miel. J'ai pas de lunettes, Quentin. Zut, ça nous demande de la... ça demande des habitants des plaines, ça. Donc on va aller chercher un comptoir routier. 80, on va désactiver ça. Pour le moment, ça sert à rien. Voilà, on gagne un peu plus de sous. En termes de dons, on récupère tout. Allez, un comptoir routier. Voilà. On construit là, on active ça, ça, ça. On envoie ici, ici, ici. On envoie là, on améliore. On est complètement en dèche. On a 20 moines. Si on voulait faire le truc à Yak là. Ah, pff, niveau de recherche 3. Putain, jamais aller chercher ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On a plus assez de fromage. Ah oui, parce que du coup, il doit y en avoir d'autres qui mangent du fromage. Il faudrait plus de fromage. Toc, toc, toc. Alors là, on a mis nos maisons bien, mais il faut falloir une route ici. Oh, on a plus de sous. On a plus de sous. On va couper ces trucs-là pour récupérer de l'artisan. Tant qu'on a du yak qui travaille pas, on peut se permettre, hein. Voilà, pour gagner des sous. 500 balles, c'est pas mal. On va faire une route là. Tout hasard, on peut pas faire de maison ici, non. Et on va aller chercher, du coup... Alors, si on peut pas faire de maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler d'une case. Ouais, parce que là, du coup, toi, tu pourras jamais aller envoyer là-bas. Si je construis un autre là. Ouais, t'es trop loin, t'es beaucoup trop loin. On n'a plus assez de fromage, eh ben non, exactement, c'est terrible. Enfin, on n'a pas assez de miel, ce qui fait qu'on n'a pas assez de fromage. On peut faire plus de miel. Hein. Il nous en faudrait 21, il n'en faut pas tant de plus. Hop, là on va faire une route. Toc. Toc, toi t'envoies là. Du miel. Ça y est, on a suffisamment. Du coup, on peut réaméliorer pour gagner un petit peu plus de sous, un peu plus de monde. Et on est toujours en dèche, en artisans. Bah, le problème, ouais, c'est qu'on peut plus améliorer les maisons d'artisans, sauf si on se lance dans de la fabrication d'ustensiles. Mais alors, faut faire une mine, des chaudronniers, des ustensiles, les emmener là-bas. Où est-ce qu'on pourrait faire de la maison encore? Ici, on pourrait faire de la maison. Là, c'est un peu trop loin. Toi, tu couvres jusqu'où? Tu couvres jusque là, hein. On pourrait complètement faire de la maison ici. Il faudra des sous pour faire de la maison. Artisan, artisan. Pif, pouf. Ok. On gagne un max de pognon. Du coup, toi, pour le moment, tu ne sers à rien. Et toi... t'as pas assez pour envoyer dans la fromagerie qui est là, ouais. Du coup, ça c'est trop loin, et comment on pourrait améliorer ça? Parce qu'il faut que ça soit à la fois proche des fromageries et à la fois proche des trucs de yak. Sinon, ça ne marche pas. Et elle, il faut qu'il soit proche du comptoir routier. On pourrait mettre le comptoir routier peut-être là, plus central. Ça change rien, là je suis décalé au maximum et je libère que deux cases. Et si je te mets. Si je te mets là, toi, t'es beaucoup trop loin, ouais.
était beaucoup trop loin. Cette maison-là, on pourrait éventuellement l'emmener. Elle a pas de bain, on pourrait la mettre ailleurs. Ici, on pourrait aller peut-être un peu plus loin. Non, là, on va pas plus loin. Là. On pourrait mettre cette maison-là ici. Hop. Et du coup, si toi, je te mets là... Ah, t'es trop loin. Là. Ah, mais peut-être que si je rajoute des routes en pierre... Non, ça marche pas. Non, il va falloir qu'on, du coup, qu'on bouge cette maison-là ici et qu'on fasse la route là. Non, plutôt en caillasse, pas la peine de s'emmerder. Et du coup, maintenant, on peut aller là. Et ça, on peut l'améliorer, et ça, on peut l'améliorer. C'est pas si mal. Et là, du coup, on peut mettre un petit hôtel tant qu'on y est, parce que toute cette zone n'est pas couverte. Et un petit peu d'ornement, probablement, pour passer au niveau d'après. Un ornement dans ce sens-là, voilà. Voilà, on gagne un petit peu d'artisan, c'est pas mal. On n'a pas de nom de... Oh merde. Putain, j'avais l'outil de... J'avais l'outil de suppression sectionnée, quoi. le mislick qui pique. On pourrait faire un jeu de gestion des années 50. Hein. Zone pavillonnaire, centralisation vers Paris, extension de l'accès à l'eau. Bah, un bon vieux SimCity 3000, y avait cette idée, hein. Ouais, là, si je les réactive tous, j'ai pas assez d'artisans quand même. Hein. Ici, on pourrait faire des maisons, mais on enlève l'hôtel. Ouais. On pourrait le mettre là, mais il n'y a pas de route. On pourrait reculer ça d'une case et faire une route. Hop, toi, on te met par là, plutôt. Et là, on fait des maisons. Artisan et artisan. Ouais, ça coûte cher d'amener toutes ces ressources. Hein. Ouais, si je réactive le dernier, j'ai plus d'artisan. Alors là, est-ce qu'on peut faire un peu mieux que cette espèce de pâté de maison foireux, là? Ça va pas plus loin que ça. Là, ça va assez loin. On pourrait peut-être gagner encore... Une petite maison en mettant ça là. On a des noms non collectés, mais on va mettre une route pour toucher. Mettre une maison là. On n'a pas de noms non collectés, parfait. Ça va assez loin. Là, du coup, on pourrait le virer. Et le remplacer par un truc de 2 qui va être plus efficace. Et ici, c'est un peu merdique cet endroit-là. Cette maison-là, elle nous fout dans la merde. Il faudrait qu'on la déplace genre par là. Mais non, elle est trop loin du marché. Mais si on met, on étend la route qui est là. Ça marche pas, il faudrait qu'on les remonte. On est quand même trop loin du marché là. Ah ouais, on va vraiment... Pas plus loin quoi. Zut. Ce que je peux faire, c'est couper les routes là pour passer par en haut, mais bon, c'est pas y faire officime non plus. Virer cette route, le marché va jusqu'où? Jusque là, mais c'est pas par ici. Hein. Il faut cette route là, il la faut. Absolument. Peut-être que je peux déplacer ça plus loin. Gagner un peu de place là. Non, il va pas plus loin que ça non plus. Là, il descend jusqu'ici. Donc si on virait ça. Et ça. On pourrait baisser ses maisons. Décaler la route. Tuck, vire ça, tant pis, c'est la route en pierre, mais c'est pas grave. Et là, du coup, on peut mettre au moins deux maisons de plus. Et vu que c'est quand même les artisans qui en manquent, on va privilégier les artisans. Là, il n'y a plus de route.
On va remettre l'hôtel par ici. Le petit truc d'ornement par là, par exemple. Voilà, comme ça, on peut améliorer celle-là. On peut activer ça. Et on est tant bien que mal à 180 yak. Et après, on n'a plus rien. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on collecte pas? Non, on collecte tout le monde. Tu veux que ce soit en France, comme ça, on aurait plein des ventes. X-RAL, écouterez-vous, lobby de la voiture ou verse X francs en échange de cette loi en défaveur du train. Bah encore une fois, dans SimCity 3000, il y avait pas mal ces concepts, hein. Mine de rien. Là, on peut mettre une petite maison, là. Hop, une petite maison d'artisan, parfait. Ah, c'est pareil, hein, c'est gâché, là. On pourrait mettre de la maison, tout cet endroit-là, là. Faudrait qu'on décale complètement toute notre production de fromage. Peut-être sur un autre endroit, peut-être là. Mais bon, pour le moment, la priorité, ça va être d'aller chercher là pour mettre nos trucs de paille là, je pense. C'est pas un conduit, c'est un pont. Alors l'idéal, ce serait que ça soit par là, mais visiblement, on peut pas trop. Alors déjà, on va poser tout ce qu'on peut là-bas pour voir comment on peut optimiser. Parce que c'est pareil, hein, il va nous falloir un comptoir pour envoyer la paille là-bas, du coup. Donc ça va pas être magique non plus, quoi. Dans concept, il y a sept, exactement squash. Je crois que Shobiti n'a pas la référence non plus. Donc quoi, dès que c'est plus de la musique, il n'y a plus personne. Hein. Ok, ensuite on vire les routes. Alors, voilà. Donc, il y a aussi vous. Et vous, limite, ça vous sert, vous servez à rien. Ah, mais du coup, de toute façon, il n'y aura plus de, y aura plus ça. Donc, peu importe que vous soyez là, on va vous virer. Alors, est-ce qu'on peut optimiser ça un peu mieux? Ici, on pourrait descendre le champ d'une case. Ça ne nous sert à rien. Ici, pareil, ça ne nous sert à rien. Du coup, toi, t'arrêtes d'envoyer ça. Donc t'es considéré comme un truc à paille, bah on va te mettre là-bas aussi, tiens, comme ça on va en faire un nouveau. On sert. Là on peut pas te descendre, ça m'embête un peu. Du coup, la route, là, elle va passer là, mais ça va pas être optimal vis-à-vis de ça. On aurait pas plus vite fait de faire genre des méga champs et la route qui longe le bord. Plutôt qu'essayer de la faire passer au milieu. Sachant qu'il nous faudra quand même un endroit, donc il faut déjà qu'on ait un pont par là, donc il va falloir passer la route par là. Et il nous faudra un endroit où construire le... le truc qui nous permet de... de transporter. Toi on va te bouger, comme ça on va voir au mieux où est-ce qu'on peut faire du pont. Le premier pont qu'on peut faire c'est là, allons-y. Ok. Maintenant. Là, on a un trou à la con, donc là, c'est l'endroit parfait pour mettre ça. Celle du milieu, on peut la virer. Théoriquement, on va voir. Ça se trouve, ça marchera pas du tout. Hein, mais... du coup, on la mettrait par là. Et donc après, on colle. Ok, donc là, c'est bon. Une seule route, ça suffit. Tout ça c'est un peu moche, mais allez, c'est pas très grave. On va corriger pour le plaisir que ce soit beau. Ici, champ. Champ. Dommage, on peut pas en mettre d'autres. Mais on a quand même libéré de quoi faire un paquet de champs, là. Ça c'est plaisant. Un champ là,
Et du coup, il nous reste 50 balles. On va... Ah putain, on n'a plus du tout d'argent qui rentre. Ah oui, parce qu'il nous manque 17 yak. Oui, donc forcément, ça calme. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie tout ça là, déjà. Ah, mais là, ils sont trop loin. Ah. Ah. Ah non, attends, c'est peut-être moi qui fais de la merde. On va désactiver tout ça. Hop. Là, ce qu'on veut envoyer, donc si je dis toi, t'envoies là. Voilà, ça marche, ok, très bien. Encore sur l'autre. En fait, ils essayaient d'envoyer de l'orge, je pense, et ça déconnait du coup. Parce que ouais, certes, ils envoyaient l'orge là, mais le foin qu'ils essayaient d'envoyer ailleurs, il marchait pas, quoi. Blop, pardon. Ça, c'est pas à portée. Merde, c'est pas à portée. C'est trop loin. Si je rajoute une petite route là, c'est à portée. Il va falloir qu'on fasse nos routes au cordeau. Voilà, maintenant c'est à portée. Mais du coup, ça marchera pas pour ceux qui sont plus haut. On va déjà relancer la production avec ça. On verra après. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe de cette partie avec les 42 balles qui nous restent. Très bien. 45 minutes, c'est la sortie d'Infection Free Zone. Il y a moyen que Zebus passe un live, ouais. Je suis d'accord. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment on va organiser ça? Il faut que ça soit central. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on amène la route au moins à peu près au milieu. Ensuite, il faut que vous puissiez vous mettre à la queue leu-leu et qu'on ait une route qui descende le long. Bisous. Et bisous Quentin, merci beaucoup d'être passé. A bientôt. Du coup, là, ça veut dire qu'on se décale. Là, on se décale aussi. Toi, tu te décales. Et là, du coup, on se décale d'une case. Comme ça, on peut faire notre route qui descend. Sachant que il va falloir qu'il soit à portée. Ils sont à portée. Ok, parfait. Donc là, ils reçoivent pas de biens. Ah oui, il va me falloir un autre petit comptoir. Comme ça. Merde. Pour 25 balles. C'est embêtant. Bon. Bon, 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 bon. Ok, déjà on est capable de faire quelques yaks. Par contre, ça nous coûte une blinde d'artisans. Ça nous coûte une blinde d'artisans. Mais au moins on gagne des sous. Ça coûte moins cher des artisans que des yaks. Donc il faut qu'on gagne assez pour faire ça. Ça devrait être faisable. Voilà, ok. Maintenant toi, t'arrêtes d'envoyer là. T'envoies. Ah, mais attends, quoique non, je crois que je peux faire plusieurs chemins avec toi. Oui, ah bah non, mais j'ai pas du tout besoin de ça en fait. Parfait. Bon, tant pis, c'est de l'argent perdu, c'est pas grave. Ah, mais je savais pas que ce truc-là, il pouvait envoyer à plein d'endroits. Ok, parfait. Toi, il y a encore pas mal de chemins qui sont pas bons, c'est pas un souci. On va s'en occuper. Hop. 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 Hop, on va faire ça comme ça pour le moment. Alors, il faudrait que la route fasse le tour, donc on va... Ah oui, mais la route, du coup, là, elle passe pas. Faut que toi, tu te décales d'une case. Voilà, parfait. Comme ça, on fait notre route par ici. On a plus de sous.
Ça coûte une blinde d'artisans pour envoyer tout ce chargement-là, là. C'est assez ouf. Alors eux, ils reçoivent pas de biens. Hop. 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 Ok, on a beaucoup trop d'IAC. Faut désactiver des trucs. Pour économiser de l'artisan. On n'a pas besoin d'autant d'IAC de toute façon. Voilà. Il est chaud le défi, hein. Franchement. C'est tendu, hein. Ok, voilà. Au moins, on gagne des sous. Parfait. C'est nickel. Toi, tu vas là. Je transporte déjà. Toi, c'est quoi ton problème? Trajet de transport non valide, en quel honneur? Tu reçois de la paille, t'envoies de la paille, je vois pas le problème. Qu'est-ce qui... Toi, t'envoies ça là, déjà? Ouais. Ok, je vois pas pourquoi ça begouille comme ça, mais on va voir quand on aura tout refait. Hop. Hop. Et là, on produit plus parce que oui, on a ces champs-là qui font rien. Donc vous, là, visiblement, il y a un truc qui déconne. On va se calmer. On va vous virer ça. On transporte déjà de la ressource vers ce bâtiment. Et alors, qu'est-ce qui vous va pas? Trajet de transport non valide. En quel honneur? Pourquoi? Il y a bien de la route, c'est bien dans la couverture. Ça rentre, ça ressort. Ça, c'est les deux qu'on n'a pas suffisamment. Ok. Je vois pas là ce qui déconne avec cela. La route est correcte. Il manque une route peut-être au centre? Non, même pas. Je vois pas pourquoi ils sont pas contents, eux. Bizarre. Bon, c'est pas grave, on va s'occuper de nos champs. Maintenant qu'on a des sous. Parfait. Tac. Tac, c'est à portée. Toi du coup, t'arrêtes de faire ça. T'en vois là. T'en voilà. C'était peut-être ça qui... Ouais, visiblement c'est ça qui couinait parce que ça se réparait. Mais c'était pas le truc comme quoi il n'y avait pas assez de ressources. Et là on a du surplus, donc on peut faire plus de séchoirs. Hop. Hop. Ah putain. Hop. Hop. T'envoies là. 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 Ok. On n'a plus de surplus, mais on pourra refaire un petit champ. Et peut-être même pas passer notre route. La merde. Bon, on verra. On verra. Dans tous les cas, on va arrêter là l'épisode de VOD parce qu'il est déjà suffisamment long. Et ça se passe mieux que tout à l'heure. Bon, mais à mon avis, ouais, c'est tendu. Hein, parce que là, même si on les réactive tous, c'est 12. Mettons que je les réactive tous. Après, l'argent, c'est pas grave. Hein. Au pire, si on perd de l'argent, c'est pas la mort. Tant qu'on est en positif. Là, on perd de l'argent, ok. Donc là, on en a 180 avec tout ça. Et en termes de surplus, on en a 12 de trop. Et ça, ça consomme 4. On peut en faire 3 de plus. Donc on peut faire une quarantaine de yak en plus, quoi. Au fois 12. On peut atteindre 220. Ouais, 220, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Très clairement, c'est pas fait. Donc, peut-être qu'on n'a pas la bonne technique. Je sais pas. En tout cas, on va arrêter la VOD là. On va voir jusqu'où on peut aller. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si le jeu vous plaît. N'oubliez pas que vous avez, pendant que le jeu est sorti, la 20% de réduction sur le jeu sur Steam. Le lien sera en description. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !